Salut les chasseurs, c'est Monsieur Killing Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce Let's Play sur Monster Hunter Génération. On s'est arrêté au Yen Cut Cut. Donc là c'est l'épisode numéro 12 je crois. 12 ou 11 je verrai. De ce Let's Play. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à l'Ermitor Demio. L'Ermitor Demio, c'est celui que je vous ai dit dans une précédente vidéo. Donc le géant du désert veille, chasser un ermitor Demio. Donc, let's go. Avant de partir en quête, il faut toujours manger. Très très important, l'hunter. Donc l'ermitor, il doit se trouver en zone 3. Donc on se dit à tout de suite devant l'ermitor. Le voici, le voilà, l'ermitor Demio. Donc je vous ai pas dit, mais j'ai encore changé d'arme. Maintenant, je joue à la Volto-H. Et la Volto-H, j'y crois bien. Donc il est sensible à la tête et au torse. Trop bien. Oh d'accord, ça commence. Ok, je vais me calmer. Donc il a une carapace auquel tu peux rebondir sur ses... quand tu veux attaquer. Oui, ça c'est très très chiant. À part bien évidemment si t'as un tranchant, ma foi, pas jaune. Genre à peu près comme le mien, quoi. Donc la particularité de la Volto-H, bah, c'est que tu peux faire des attaques de bourrin, en fait. Tout simplement. Comme là par exemple, je vais vous montrer tout de suite après avoir chevauché ce monstre. Donc la Volto-H, c'est ça. La Volto-H, c'est ça. Et c'est trop stylé. Et là, je crois bien... Oh non, fuck. Aussi, l'ermitor Demio, il a une particularité, c'est qu'il se planque sous le sable, et vu qu'il a une petite corne de licorne sur sa carapace, et ben, il te pique avec, et ben, ça fait très mal, tu vois. Donc tu peux y casser la corne de licorne qu'il a. Tu peux aussi y casser les pinces. Comme là où je suis en train de taper, là tu peux y casser. Par contre il reste à terre trop longtemps et ça c'est méga cool. Et ça c'est pas cool là ce qu'il va faire, je pense. Ah nickel nickel, bam. Vous voyez, c'est trop bien. C'est pour ça moi que sur Monster Hunter 4 Ultimate, j'ai que cette arme là dans mes armes que je prends. Enfin, oui, c'est la Volto-H, c'est trop bien. Oh là là. D'ailleurs, t'as une garde aussi. Là, tu peux te protéger. Et ça, c'est méga cool. Hop là. Et en plus, tu peux y monter dessus. Pour l'instant, moi, je m'en sors très bien. J'espère, en tout cas. Ok. Oh. Je retire ce que je viens de dire. Regardez ma barre de vie. Ça fait très très mal. Je suis obligée de quitter la zone pour aller me soigner. Non pas parce que je suis une tapette, mais parce que c'est une question de vie ou de mort. Mais punaise, elle est où là, la sortie? Mais dégage! Mais je suis coincée. Ah! Qu'est-ce que c'est cool, hein? Quoi? Mais non, mais il vient carrément dans la même zone que moi pendant que je suis en train de me soigner. Non mais Starfalla, s'abuser quoi. C'est bon, mes fioles sont à 100%. Et ça, c'est trop bien. Ça, par contre, c'est moins bien quand il se cache sous le sable. Il veut nous piquer les fesses en masse avec sa corne de licorne. Oh mince, là, j'ai complètement fail, tu vois. Oh là là. Hop là. Donc je vous ai pas dit mais je me suis mis en... Mais putain, mais dégage toi, tu me gênes, regarde. Je me suis mis en mode voltigeur. Je croyais que j'étais en mode bushido, mais en fait pas du tout. Vu que depuis tout à l'heure je suis en train d'y monter dessus. Ah mais gros, j'ai mis la garde quoi. Il va vouloir encore me piquer les fesses. Ah non. Ah bah si en fait.
Bah, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils visent je sais pas quoi, mais en tout cas, ils visent tout sauf moi, là. Ils visent archi tout sauf moi, quoi. Oh non, là, il va vouloir reculer. Hop là. Je savais en plus qu'il allait faire ça. Moi, c'est un des monstres préférés. C'est un de mes monstres préférés sur ce jeu. Un des monstres préférés. Moi, regarde, moi, je suis un tag. Moi, j'ai guise pile poil devant le monstre. En plus, j'avais réussi. Ah bah, c'est bon, en fait. J'ai réussi. Non, reviens là! Reviens là! Hop là, pile poil dans la corne. Comme je vous l'ai dit, on peut la casser à tout moment, hein, sa corne qu'il a sur sa carapace. Hein. Donc là, il est parti en zone, je ne sais pas quelle zone, zone 1, pour aller faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire me défoncer. Aïe. On va essayer de l'attirer vers le bord, là, pour pouvoir y monter dessus. Je sais, je suis en mode voltigeur, vous allez me dire. Mais non. Ah bah non, mais c'est sérieux. Il est pas vers le bord, là, il est à l'opposé, carrément. Hop, allez, on y monte dessus. Allez, 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 ça passe, ça passe, ça passe, yes. Ah! On y a cassé sa carapace. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire hop. Et vu que je suis en mode voltigeur, voilà. J'y ai pété je sais pas quoi. Je crois bien qu'on y a pété le début de sa carapace. Je vois pas, mais bon. Ah oui, on y a pété sur les côtés. On y a cassé sur les côtés, je crois. Et vu que c'est moi qui y ai cassé. Et ben maintenant il en a après qui? Après Bibi. Tu vois? C'est pas très très pratique en fait. Tu vois? Allez. J'ai peur en fait qu'il me tue, tu vois. Ce serait un peu la honte, tu vois. Devant tous mes abonnés en fait. C'est ça le pire. Oh non là il va cracher un jet d'eau. Oh, il a failli me mettre dedans à cause de sa pince. N'importe quoi. T'es sérieux, je suis mort. Bah pas grave, il est juste à côté. Regardez. Là, je vais respawn au camp. Ah, en plus, il est fatigué. Non, pile pour le mauvais moment, quoi. Regardez. On est juste à côté de la zone où il se trouve. Regardez. Mais il y a un petit passage. Et voilà. Et on te voit, mon gars. On savait que t'allais faire ça de toute façon. Là, il doit forcément être là. Ah oui, il est là, le petit. Boum! Là, il va vouloir reculer. Mais non! Sauf que je suis pas là, mon pote. Je suis à côté. Apprends à viser avant. J'ai rien dit. Oh bah, il boite! Oh mais c'est triste, ça! Bah, l'ermiteur! Mais alors? Même avec un tranchant jaune, j'arrive à te battre. Mais c'est tristoun, ça. Donc là, il est parti dormir en zone 3. Je l'espère. Donc, on va en finir rapidement. Ça fait que 5 minutes que je suis en train de le battre. Enfin, 10 minutes. Ah bah non, en fait. Il était pas parti, en fait. Et ça, j'en suis très déçu. Là, j'aimerais bien, par contre, il monte dessus, tu vois. Ce serait un peu le bon moment. Ce serait le bon moment de la vidéo. C'est faux. Donc là, on va le laisser dormir. On va aller le laisser faire sa sieste. Et on se dit à tout de suite quand il se sera endormi. Là, normalement, il devrait être en train de dormir. L'espère. Oui, monsieur. Je peux te dire que là... Ça va pas être drôle à mon avis.
Regardez. Bam. Allez. Oui, je suis monté dessus, monsieur. Allez, allez, allez. T'es mort, mon gars. T'es mort. T'es mort, là. T'es quasiment mort. Non, mais s'il te plaît, frère. T'es mort. Punaise, j'ai plus de fioles. Punaise, ça aurait fait kaboum boum. Là, mais punaise. T'es mort. Ah, il m'a eu. Voilà. Allez, mon gars, t'es mort, là. T'es mort. Oh oui, on y a cassé quelque chose. Je crois bien que c'est une pince. Yes. Et on l'a tué. Il manquait juste un tout petit coup. Yeah. Bon, bah, l'ermiteur, il était plutôt facile, hein. Il était plutôt fin. Il est plutôt simple. Il était plutôt simple. Yes. Yeah. Bon bah dans tous les cas on va s'arrêter ici, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, la commenter, à la partager et surtout à vous abonner. Allez, ciao ciao.